Et bonsoir à tous, à tout le monde. Nous sommes le 1er août 2013, enfin il est 23h45, donc on est bientôt le 2 août. Je viens de trouver il y a 10 minutes mon 99e Shiny. Vous voyez, c'est un parfuré. Il est vraiment magnifique. Je l'ai vu sortir de l'ombre et j'ai commencé à crier Shiny. Clément qui a sursauté, il y a Romain qui est venu. Bon, Lucie, elle va arriver, je pense. Donc c'est génial parce que j'étais à plus de presque 18 000 sur Shiny depuis Evoli, mon 98e. Donc là je suis vraiment très très soulagée qu'enfin je trouve le 99e. Plus qu'un et j'arrive à faire un 100e Shiny, donc c'est super. Donc là où je suis sur ma version Soul Silver. Je suis au moins argenté, je fais la recherche au repousse au niveau 49. Pour avoir 100% de farfuré. Et ce petit farfuré chromatique, c'est le 6543e. C'est un chiffre sympa. Parce que quand on le retourne, ça fait 3, 4, 5, 6. Alors, je me suis placée sur bol. Mais en fait, je vais regarder si mon lanthion n'a pas cage éclat. J'en suis pas sûre. Donc, on va regarder ça tout de suite. Non, il l'a pas, donc on va juste balancer des bols. Ce sera plus simple. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à la bol que j'ai utilisée, mais je n'ai pas rien décidé. J'aime bien la swim bol. Et je pense qu'il rentrera plus facilement aussi dans une sombre bol. Et aussi la lune bol. Donc, je vais tester déjà la swim bol. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Tu vas dire. Et c'est toi. Je vais essayer de nouveau la swim ball. J'aimerais bien balancer quand même la lune ball, voir si jamais il rentre pas. Malheureusement, comme je ne l'affiche pas de statut. Donc comme je ne l'affaiblis pas, je pense qu'il va racheter de la lune ball rapidement. Donc, je vais essayer encore deux swim balls et après j'essaie la lune ball. La swim ball lui va pas mal quand même. Je suis obligée de tenir la peine à la main avec cette console parce que l'écran du haut ne tient plus tout seul, donc j'ai pas voulu bouger la console. On sait jamais. Donc je vais essayer la lune ball. Ah ouais. Ça me fait peur, j'ai failli plus sur cette là. Alors lune ball. Tac. Normalement il devrait acheter, mais bon, ça va, je vais essayer. Je pense qu'on va passer au sombre bol parce que c'est quand même plus de chances de le capturer dans une sombre bol. Finalement, peut-être que ce sera plus original. Allez, on tente ça. Racheter toutes les balles. Très facile. Il faudrait que je vois si j'ai pas mon galon pour l'hypnotiser peut-être. Oh non, je pourrais pas. Non, trop beau. Je sais pas pourquoi il fait que des griffes aussi. Enfin, moi, je sais pas quoi trop, une autre attaque. Bon, j'ai 48 sans robot. Oui, là, attends. Il est rentré dans la sombre bol, je sais pas combien de balles je vais balancer, un petit peu moins de 10 peut-être, je sais pas. Ah, c'est trop cool. On va voir le Dex. Pokémon griffe acérée, ténèbres glace. De nature agressif, il chasse et roucoule de leur nid et dévore les abandonnés. Putain, il va s'éclater avec mes 4 roucoules shiny là. Oh, pardon.
vraiment pas moche. Hein. Ouais, c'est vraiment trop beau. Un surnom, oui, je l'ai depuis très longtemps, le surnom d'un petit farfuré. Je vais l'appeler Yolo, qui veut dire nuit, tout simplement. En japonais. Comme Itori no Yolo. Générique, un des génériques de JT. Alors, petit sauvegarde. Ah, on y joue. J'ai 40 dans le Pokédex. C'est cool parce que sur cette version, je vais pouvoir faire Groudon et Rayquaza. Parce que j'ai gardé mon gentil petit Kyogre de Hot Gold. Donc, on va passer à Reset pour le 100e. Donc, il y aura du Débugant, il y aura du peut-être un singe, il y aura du Groudon, du Loclass. Et je crois que c'est tout. Enfin, je verrai ça. Alors, un petit pari nature, ceux qui sont moi. Je tiens à noter qu'il a un objet aussi. Donc, peut-être une petite vieille griffe. Je sais pas ce qu'il tient, mais j'ai pas ça. Trop griffe, voilà. Alors, un petit pari nature, Romain. Moi, je dirais Gilles. Merci. Gentil pour Lucie. Et toi, Clément, t'as un petit pari? Mauvais comme d'hab. Moi, je sais pas, je veux dire pudique. Il est gentil, bravo Lucie. Donc c'est bien qu'il a pas une nature pourrie, genre modeste ou un truc comme ça, donc ça laisse des chances. Voilà, il est magnifique. Vous voyez, il est trop choupignon, parfait mignon. Et premier route, c'est une date que je voulais, là il est 23h53, donc je voulais absolument le capturer avant minuit. J'avais un petit problème de batterie sur la PN, donc j'ai dû recharger assez rapidement, donc voilà. C'est fait, alors on va le mettre en... Alors, je vais pas regarder... Ouais, il a attention, et son objet, oui, c'est l'acrogriffe, c'est bien, c'est pas. Donc, ordre, on va le mettre en première position. Il va évoluer, quoi. Non, il va pas évoluer, hein. C'est avec sinon, est-ce qu'il peut le faire évoluer? Ah oui, il va évoluer. Il va être bon évoluer, en fait, il doit évoluer. Voilà, un farfuré normal. Et Yoru qui arrive. Quoi? Oh, il est trop beau! Trop beau! La Summon Ball, il va pas mal, ça fait un peu de violet la capture, donc c'est sympa. Ça changera un peu de farfuré capture à la Summon Ball. Mais... Farfuré encore. En plus, je suis tombée sur le mal. Et c'est super cool parce que la petite mèche là elle est beaucoup plus longue. La plume, je pense que c'est. Et il est plus joli. Bon ben voilà, sur ce, je tiens à signaler que c'est ma cinquième trouvaille pour l'ISHC. Donc voilà, la première du mois d'août. J'en ai eu 4 en juillet. Je pensais que j'en aurais au moins 5-6 en juillet, mais c'est pas tombé, parce que j'ai quand même fait des gros chiffres entre Galekid et Evoli, entre Evoli et un petit farfuré. Donc on verra si j'ai un peu plus de chance en août, au niveau des attentes entre Shiny. De passer les 17 000 quand même sur les Shiny, ça fait un peu loin, un peu long, mais bon. Pas mis les animations, je crois. Je sais pas si, je crois qu'elles sont désactivées. Peut-être faire une de rencontre avec quand même. Ah oui, elle n'y était plus. Ah mince, j'ai pas confirmé. Option. Voilà. Ce sera plus sympa comme ça. On va voir le petit farfuré sur l'animation. Là, il lève le poing. Il est très classe. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance, enfin surtout aux membres de mon équipe. Donc Aria, Vadorskull, Bloody, 347 et TKD5. Vive les lardons et à bientôt pour ma 7e chaîne. Salut tout le monde!